Bonjour, bienvenue dans les énergies du mois de janvier. Alors je vous le dis tout de suite, cette année on va sortir de l'idée de surf, hein, de surf des énergies en mouvement, en symbiose. Je dirais que cette année on fend la vague. Cette année, tel un paquebot, on va vraiment aller droit au but, tout droit vers nos objectifs pour relever d'immenses défis et on va le faire évidemment avec beaucoup de bonheur et beaucoup de sens. Ce Mars qui entre en bélier le 1er janvier est vraiment un symbole d'une poche que l'on perce pendant tout le temps ces dernières semaines où il a passé en poisson, hein, dans une forme de gestation, de régénération. On a pu se sentir ballotté par des mouvements divers, hein, des actions diverses. Ça, c'est tout à fait l'ambiance poisson qui se laisse un peu porter par le vaste océan, hein, toujours cette idée de vague et de mouvement d'eau. Et là, maintenant qu'il entre en bélier, on est carrément dans un saut quantique, dans l'idée d'une nouvelle naissance. C'est comme si on avait été jusqu'au bout d'un certain mode d'action, d'une certaine trame, et que là il s'agissait eh bien, de penser complètement autrement et de créer et d'agir complètement autrement. Et l'action, le passage à l'action, va être vraiment un des grands mantras de l'année. Alors qui dit passage à l'action dit pas je passe à l'action n'importe comment, encore une fois, c'est toujours l'idée de l'action inspirée, de l'action qui est inspirée eh bien, par tout un travail intérieur. L'action n'est évidemment que la partie émergée de l'iceberg, mais qui est une partie extrêmement importante, bien sûr, parce que c'est ça qui va nous permettre d'émerger, de sortir la tête de l'eau, je dirais, et de sortir de situations toutes moisies dans lesquelles on est embourbé depuis très très longtemps, si bien qu'on ne le voit même plus. Et donc, ce Mars, eh bien, on va bien entendu le canaliser. Il ne s'agit pas de lâcher les chevaux n'importe comment, c'est tout le travail qui va se faire méthodiquement, pas à pas, pour qu'on ait ce grand plaisir de lâcher les chevaux et de laisser Mars s'exprimer. Parce que quand on laisse Mars, notre grande force désirante, s'exprimer, c'est quand même super super agréable, déjà pour nous, et puis en plus on voit des effets géniaux de création autour de nous. Donc ce Mars, on va s'y attarder un petit peu, on va prendre quelques minutes pour avoir une vue globale du mois de janvier, voir comment tout ça s'articule, et puis après on ira travailler semaine par semaine, et tout au long du mois, vous pourrez retourner dans les différentes semaines pour retravailler et aller vraiment en profondeur, bah, comprendre ce qui se joue dans vos vies, parce que tout ça n'a de sens que si vous mettez ça à l'intérieur de vos cellules et que vous mettez du sens eh bien, dans vos événements personnels ou les impressions que vous pouvez avoir sur l'actualité. Et donc, ce mois-ci, plein de choses extrêmement importantes. Déjà, bien entendu, ce fameux Mars qui entre en bélier le 1er janvier. Et en plus, chose qui est vraiment très très belle, c'est que quelques jours avant l'entrée de Mars, le 1er janvier en bélier, eh bien, il va faire une conjonction sur Chiron, comme si après s'être régénéré à la fin de sa régénération, de sa gestation en poisson, pour conclure tout ça, eh bien on rencontre Chiron, le guérisseur du thème. Et Chiron, qu'est-ce qu'il raconte à Mars? Eh bien c'est finalement le multiple, la multiple coloration, à cette lumière blanche quand elle passe dans le prisme, eh bien finalement c'est toutes les couleurs, et toutes ces couleurs sont en nous. Eh bien toutes les couleurs dans lesquelles on peut se bagarrer en permanence, à ce que Mars il se bagarre toujours un peu contre quelque chose, eh bien Chiron vient lui dire écoute, finalement tu vas pouvoir prendre ces couleurs et t'enrichir de toutes ces couleurs, et c'est ça qui va aussi porter ton action, cette multiplicité, et non pas une guerre finalement des uns contre les autres. Et c'est de ce message dont Mars est porteur quand il rentre en bélier, pour peu qu'on mette ça en conscience. Et plus on mettra ça en conscience, plus finalement on va être puissant dans nos actions et très très efficace, au lieu de nous dilapider, dilapider notre énergie dans plein de directions, ce qui est jamais très très intéressant, hein. On peut être très très en forme au départ et puis au bout d'un moment, eh bien ça va fatigué un peu. Et là, si on est vraiment porteur de ce message universel, finalement Mars il va dire ok, je sais pourquoi j'agis, et ça va rentrer comme dans du beurre.
Donc il y a ce fameux Mars, et puis surtout pendant le mois de janvier, on a une lunaison avec éclipse. Alors je pense que vous sautez de joie à l'idée de vivre encore des éclipses, parce qu'évidemment les éclipses ça peut toujours être un peu bousculant. Ça peut aussi être vraiment un grand moment d'apprentissage, de leçons. Ça dépendra vraiment de la manière dont vous allez les aborder, ces éclipses. Hein, déjà une éclipse de nouvelle lune le 6 janvier, éclipse de pleine lune bien entendu le 21 janvier, et ces éclipses, elles vont travailler tout l'axe Cancer-Capricorne, qui est l'axe vraiment d'un recentrage sur soi, remettre de la structure dans la famille, reconstituer notre nid, notre intimité, nos protections énergétiques, pour justement pouvoir enrichir tout ce qui est le plus sensible en nous, toute notre capacité d'empathie, notre capacité à vibrer l'imaginaire, à vibrer avec l'invisible. Tout ça sont des choses qu'on va travailler énormément en Cancer et en Capricorne. L'intention de cette éclipse, elle est évidemment de nous porter vers le signe du Cancer, puisque le nœud nord se trouve en Cancer. Donc on va vraiment travailler pendant tout ce mois à comprendre l'intérêt de cette énergie du Cancer qu'on a pu négliger, énergie du Capricorne aussi qu'on a pu dénigrer. Donc ces deux énergies sont vraiment à articuler et à remettre en compréhension. Le fait que vous ayez ça en conscience, c'est vraiment un outil important, parce que ça va vous éviter de vous laisser complètement embarquer par le jeu des éclipses dans lequel, eh bien, il y aura pas forcément grand chose qui va couler de source, mais il faudra faire un vrai effort conscient pour se réaligner dans cet axe Cancer-Capricorne. Et à partir du moment où vous mettrez du sens en termes de sens de responsabilité, en termes de protection de l'intime, d'empathie, de tout ce qui est de l'ordre de cet axe Cancer-Capricorne, et bien plus vous allez être conscient de ça, moins vous serez embarqué par ce jeu, plus vous pourrez être observateur et finalement un bon guide pour votre entourage. Ces deux éléments, hein, d'une part Mars, hein, le suivi de Mars, et je pense que cette année on va beaucoup en parler, et puis aussi ce travail sur les éclipses, ce travail sur l'axe Cancer-Capricorne, ça sera vraiment ça sur lequel il faudra mettre le focus pour avoir une compréhension globale de ce mois de janvier. Et maintenant, on va partir dans les différentes semaines. Alors c'est parti pour la semaine du 31 au 6 janvier, c'est la semaine de la nouvelle lune. La nouvelle lune va se dérouler en toute fin de semaine et tout l'intérêt c'est vraiment de considérer cette semaine comme un moment de préparation à partir du 31 jusqu'au 6, de préparer tout ce qui va se jouer, d'autant plus que bien souvent pendant les fêtes on est connecté à la famille, hein. Le fait que ce travail avec les éclipses se passe sur un axe très familial qui est l'axe Cancer-Capricorne, eh bien ça nous donne déjà tout un tas d'indices, parce qu'on va pouvoir noter finalement les choses qui sont à travailler, les choses qui se jouent en ce moment. Et donc toute cette semaine du 31 décembre au 6 janvier, on va préparer le terrain de la nouvelle lune qu'on va décrypter un petit peu après. Et donc le mercredi 2, alors c'est au lendemain du nouvel an, eh bien le mercredi 2, le soleil va se trouver conjoint à Saturne. Le moment où Saturne touche une planète, le soleil va apporter quand même un éclairage important, il va mettre en lumière, et ce symbole saturnien est très connecté avec le Capricorne, et donc ça va être une journée particulièrement importante pour avoir des indices. On va être vraiment des chercheurs d'indices. Quand on a une éclipse, on est un peu dans le flou, on est un peu dans le noir, on est un peu éclipsé, et donc on va pouvoir tirer tout au long de ce mois les différents indices qui vont nous permettre d'avoir des infos et de nous raccorder à une certaine forme de conscience. Et donc le moment où le soleil passe sur Saturne, on va choper des indices sur ok, qu'est-ce que ça veut dire Saturne, qu'est-ce que ça représente Saturne, l'autorité, la responsabilité, etc., les structures pour moi en ce moment, et quelle lumière j'ai envie d'y mettre, parce qu'évidemment comme on travaille l'axe Cancer-Capricorne et bien entendu surtout le signe du Cancer,
tout va partir de soi, tout va partir de comment ça pousse en moi, qu'est-ce que je vais déduire de ma propre intimité par rapport à tout ça, et non pas qu'est-ce que je vais répéter parce que quelqu'un l'aura dit ou quelqu'un de très impressionnant m'aura dit cela et m'aura influencé dans tel ou tel sens. Je crois qu'avec cet axe cancer capricorne, on travaille sur le fait de devenir non influençable. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les autres, ça ne veut pas dire qu'on ne se laisse pas inspirer, bien entendu, mais ça veut dire qu'il va falloir vraiment faire partir les choses à la moulinette de notre intime. C'est la grande leçon du cancer, c'est-à-dire à chaque fois dire ok, comment je le sens tout ça, d'accord, j'entends ce qu'on me dit, mais comment je le sens, comment je fais pousser ça à partir de mes cellules. Et donc ce moment du soleil au moment du 2 janvier, ça peut nous éclairer vraiment très très fort par rapport à ça. Et puis plus tard dans la semaine, Vénus va être vraiment très fortement accentuée, elle va être en sextile trigone avec les nœuds lunaires et donc en lien direct avec les éclipses, et donc elle va pouvoir encore une fois nous apporter un autre niveau de compréhension, peut-être beaucoup plus d'un point de vue relationnel, beaucoup plus dans l'affectif, en tout cas dans une douceur qui fera que ça sera peut-être beaucoup plus facile à comprendre. Et puis évidemment on va parler en détail de cette nouvelle lune du 6 janvier, c'est un dimanche, hein, il s'agira vraiment de bien s'y préparer, et pour ceux qui ont le journal de bord, ça tombe bien, c'est dimanche, vous aurez le temps normalement de bien poser vos rituel, parce que tout le travail que vous faites à ce moment-là, il va être vraiment important, hein. On va travailler dans le journal de bord à faire quelque chose de très précis, de très pas à pas, pour justement pas se faire avoir dans les grandes vagues d'éclipses, comme vous avez pu en faire l'expérience dans les mois passés. Donc cette nouvelle lune, bien éclipse de nœud sud, hein, comme vous pouvez voir sur la carte. Cette éclipse, déjà, elle va être conjointe à Saturne, alors bon, ça, c'est déjà important, et en plus, elle va être conjointe à Pluton. Vous voyez, la nouvelle lune, elle se fait pile entre Saturne et Pluton. C'est comme si elle faisait un pont entre ce Saturne et ce Pluton, qui vont bientôt se rencontrer, hein, l'année prochaine, pour ce grand renouveau. Mais donc, on va avoir les prémices. Il s'agira de garder quand même la tête froide, hein. Bien entendu, je vous parle d'action, mais c'est pas une action à chaud dont il va s'agir, mais vraiment d'une action posée et qui est pleinement inspirée par la sagesse. Et donc cette sagesse, il s'agira de la faire descendre en nous en conscience. Pourquoi je dis en conscience? Parce qu'encore une fois, quand on est en période d'éclipse, tout ce qui pouvait sembler couler de source, hein, le fait que les choses et la vie soient structurées, le fait qu'il y ait une forme d'empathie, qu'on reçoive de la douceur tout naturellement, eh bien ces choses-là pourraient ne pas couler de source justement pendant cette période d'éclipse, et ce qui nous demande de faire un vrai effort conscient pour nous raccorder à l'énergie du cancer et du capricorne. Le grand cadeau à la fin, c'est qu'on va bien se rendre compte qu'on a besoin de cette énergie, de cet axe cancer capricorne, et il va nous apparaître complètement renouvelé, et surtout on l'aura beaucoup mieux intégré dans nos cellules. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Cette nouvelle lune avec éclipse, elle se passe dans l'axe 3-9, donc c'est vraiment l'axe de la communication. Je vous parlais tout à l'heure de cette idée d'être connecté à son intime et de pas se laisser happer encore une fois par des idéologies ou par des mouvements religieux, hein. Quand je dis religieux, c'est vraiment au sens très large, un religuéré, le fait de se relier et de se rallier à quelque chose, à un mouvement, à un groupe. Pourquoi pas? Parce que ces grands mouvements, bien sûr, qu'ils peuvent avoir une force, qu'ils peuvent avoir vraiment un intérêt, pour peu qu'on reste vraiment campé sur cette idée du Mars connecté avec la couleur, avec la multiplicité des couleurs qui sortent du prisme. Mais c'est vraiment important de ne pas oublier qui on est, ne pas oublier le je suis, ne pas oublier l'être, et ne pas se laisser embarquer juste parce qu'on est complètement impressionné. Ça peut être encore vraiment avec cet axe 3-9 la grande leçon de cette éclipse, hein, où on peut se sentir justement éclipsé, sentir que l'être n'existe plus au profit du groupe, au profit de l'idée, je dirais.
Et c'est pour ça que ça va être vraiment important de la repasser à l'examen de son propre jugement pour ne pas se laisser embarquer n'importe comment. La grande question, ça va être vraiment comment est-ce qu'on est influençable? Comment est-ce qu'on se laisse influencer et ne pas confondre l'inspiration et l'influence, hein, c'est vraiment deux choses différentes. Il est vraiment important de pouvoir être inspiré, mais de se laisser influencer en oubliant sa conscience, bien évidemment, ça va pas nous mener dans de très très bonnes directions. Alors voilà pour cette semaine du 31 au 6 janvier, vraiment qui est très marquée par la nouvelle lune. On va passer à la deuxième semaine de ce mois, qui est la semaine du 7 au 13 janvier. Alors si vous avez bien posé vos actions avec le livret Agir 2019, qui est vraiment important parce qu'il pose vraiment les bases de toute l'année, vous allez pouvoir vous raccrocher à un grand mouvement parce que déjà, hein, dès le premier mois, le carré Jupiter-Neptune est déjà là et il nous raccorde vraiment à ce travail d'expansion sociale au travers d'un travail énergétique. Alors oui, ça peut paraître pour certains farfelu, mais je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous qui me suivez, c'est une évidence. Bien entendu que cette aura sociale, elle passe par un énorme travail énergétique. Vénus a récemment fait sa rétrogradation en Scorpion et on a pu sentir comment les dynamiques relationnelles devaient être retravaillées du point de vue de l'énergie. Et bien là, Jupiter, qui est actuellement en Sagittaire, prend encore plus de place et d'autant plus si on a fait ce vrai travail énergétique. Et là, avec Neptune, ça va être vraiment le moment et ça se passera le 13 janvier. Hein, ce carré Neptune-Jupiter, ça va planer toute l'année, bien entendu, mais le 13 janvier, quand on est sur les dates exactes, on peut avoir des événements charnières qui nous mettent la puce à l'oreille et qui nous branchent justement sur le sens que l'on doit donner à ces mouvements. Et bien, plus on aura conscience de l'expansion énergétique qui se joue au travers du corps énergétique, au travers de tout ce qu'on peut incarner et inspirer autour de tout le travail qu'on a pu faire en amont sur la libération de nos vieilles mémoires, sur la libération de vieilles croyances qui nous plombaient, je dirais, les corps énergétiques, et bien plus notre aura sociale et le sens de notre mission de vie va pouvoir se mettre en place. Il y a une grande carte à jouer de ce côté-là, et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui se passe dans l'invisible. Et plus on sera subtil et sensible à ce genre de choses, plus finalement l'expansion sociale dans la vraie vie, hein, c'est pas un truc dans le délire et dans l'illusion, plus l'expansion sociale va pouvoir se faire. Avec tous les à côté qui sont l'abondance, abondance financière, les réseaux d'amis qui deviennent vraiment enrichissants et exaltants, etc. Avec une vie sociale qui est riche, agréable, où on sent qu'on a une vraie sphère d'influence. Alors je parlais d'influence tout à l'heure, mais d'influence positive. Je dirais peut-être plutôt d'ailleurs une vraie sphère d'inspiration plutôt que d'influence avec ce Jupiter qui se neptunise, je dirais, donc cette expansion sociale qui se spiritualise. Et plus on ira vers ça, plus ça se fera bien entendu dans une recherche d'émancipation de l'autre et non pas de le maintenir sous emprise pour que on ait notre petite cour autour de nous, parce que c'est pas très intéressant, mais au contraire de permettre à chacun de s'émanciper dans une énergie spirituelle qui sera complètement juste et en accord encore une fois avec notre être, puisque c'est la grande leçon de cette éclipse de lunaison. En même temps que ce moment, que ce carré Jupiter-Neptune, en plus Saturne sera conjoint à Mercure, ça nous montre que ça peut être vraiment un bon moment pour se poser, pour se recentrer. Autant c'est très énergétique avec Neptune-Jupiter, c'est tout autant énergétique avec ce Mercure conjoint Saturne qui nous propose vraiment de nous recentrer, de méditer et de comprendre que finalement c'est dans le cercle de notre intime, c'est dans ces grands développements intérieurs que notre expansion réelle se fait peut-être beaucoup plus facilement. Alors c'est pas forcément quelque chose de très socialement accepté actuellement, mais je pense que ça le sera de plus en plus et vous allez voir que vous allez vivre de grands développements professionnels en vous autorisant ces phases de pause, ces phases de temporisation de l'énergie et surtout de renforcement des corps énergétiques, de nettoyage des corps énergétiques avec tous les outils que vous pouvez avoir à disposition. Donc voilà pour cette semaine du 7 au 13 janvier, un très énergétique, très
vrai recentrage sur soi. On passe à la semaine du 14 au 20 janvier. Alors nous démarrons tout de suite la semaine avec le 14 janvier, un premier quartier. Qui dit premier quartier dit moment vraiment de tournant, de tension. Nous pourrions vivre le 14 janvier un moment vraiment de tiraillement, hein, comme si des choses se mettaient en travers de notre passage. L'ascendant de ce dernier quartier est en Capricorne, donc ça montre qu'il y a une montagne à gravir. Mais à partir du moment où on reste centré et conscient qu'il s'agit encore une fois de transformer le plomb en or, eh bien on peut vraiment acquérir énormément de magie à ce moment-là, hein, si on reste vraiment complètement centré au moment justement où la tension est en train de se dérouler. Eh bien c'est l'idée de pouvoir, voilà, d'un coup de conscience, d'un coup de regard bienveillant, de construire des cathédrales en un instant. Et donc, ce premier quartier, il nous lance encore une fois dans l'action. Donc, c'est vraiment une phase d'engagement. Mars va prendre encore un autre tournant. Et puis, en parlant de Mars, pendant cette semaine, on va vivre un trigone entre Vénus et Mars. Alors, pour comprendre ce qui se joue entre Vénus et Mars en ce moment, eh bien, il faut revenir en arrière, revenir à la conjonction, c'est-à-dire revenir au moment où ils se sont rencontrés. Et ça s'est passé en octobre 2017. C'était en Vierge, et donc ça montre que tout ce travail entre Vénus et Mars est vraiment un travail de purification. On est en train de chercher à se connecter les uns les autres à un niveau extrêmement subtil, ce qui fait qu'on peut se sentir confronté à un certain nombre de frustrations, hein, comme si ça pouvait pas connecter facilement par le corps, mais justement parce qu'on avait à apprendre à se connecter d'abord à d'autres niveaux beaucoup plus délicats, beaucoup plus subtils, beaucoup plus romantique, je dirais, avant que ça puisse descendre dans le corps. Donc ça explique évidemment un certain nombre de frustrations. Il peut y avoir de grandes compréhensions, notamment autour du 18 janvier par rapport à ça. Les trigones sont toujours des aspects qui nous amènent beaucoup de compréhension, beaucoup de douceur par rapport à ce qu'on peut ressentir comme d'éternelle nécessité de purification, hein. Ça peut faire un certain ras-le-bol, je dirais, dans la relation amoureuse. Mais bon, voilà, à partir du moment où on sait qu'on va vivre quelque chose d'extrêmement agréable, parce que ces connexions énergétiques, bien entendu, dans les hautes sphères, notre âme appelle à ça, hein, finalement, eh bien, on comprend mieux et on accepte beaucoup mieux, finalement, les blocages qui peuvent se passer au niveau du physique. Donc voilà pour cette semaine très active et qui nous dirige bien entendu vers la pleine lune. Le premier quartier du 14 décembre ouvre l'action pour une prise de conscience qui se passera le 21 décembre. Et nous voici donc en piste pour la semaine du 20 au 27 janvier. Cette semaine démarre très rapidement par la pleine lune. On l'attendait, cette pleine lune avec éclipse. Donc vous pouvez la voir. C'est une pleine lune qui se passe dans l'axe Lion-Verseau, donc il pourrait y avoir des réminiscences de ce que vous avez pu vivre en janvier dernier au moment où les éclipses se passaient dans cet axe Lion-Verseau. Et bien sûr, les nœuds étant toujours positionnés dans l'axe Cancer-Capricorne, bien entendu, donc on travaille encore une fois dans la relation à l'autre, hein. Cette pleine lune se passe dans l'axe 1-7, hein, l'axe relationnel. Comment on peut sortir et vraiment s'émanciper d'une sorte de sphère d'influence, et en même temps, cette pleine lune avec éclipse est en plus particulièrement stimulée parce qu'elle se trouve sur un double carré avec Uranus. Uranus, pour la secousse, il se pose là, donc ça peut vraiment être de grandes décharges énergétiques. Qui dit grandes décharges énergétiques peut dire aussi événements vraiment surprenants, bouleversants. Tout dépendra de comment vous vous êtes raccordé aux très hautes vibrations et si vous avez pu vraiment ouvrir un maximum et travailler énormément l'énergie comme nous le suggère le carré Neptune-Jupiter. Et bien finalement, ces secousses ne seront finalement qu'une ouverture que vous allez vivre avec beaucoup de bonheur, voire dans une forme d'extase, pourquoi pas. Donc voici pour cette pleine lune du 21. La semaine sera clôturée par le dernier quartier. On démarre la semaine avec la pleine lune, on termine par le dernier quartier, par le dernier virage. Ce sera vraiment le moment du bilan, hein, comme si là on pouvait enfin se
réveiller et réouvrir nos yeux, reprendre finalement une forme de conscience pour réaccorder finalement les énergies Cancer Capricorne à leur juste place dans notre quotidien. Donc voilà pour cette semaine du 21 au 27 et on va terminer par la semaine du 28. Et dans cette semaine, l'événement majeur, eh bien c'est l'apogée du cycle de Mercure. C'est comme si on venait clôturer et mettre le point d'orgue sur tout ce qui vient d'être dit. Ce Mercure, finalement, il nous ouvre à une nouvelle fraternité. C'est comme si nous nous étions complètement éveillés avec quelque chose de nouveau, une nouvelle manière d'entrer en relation, une nouvelle manière de faire les choses. Je l'ai vécu très très fortement pendant tout ce travail depuis le 27 novembre avec une nouvelle manière d'aborder mon travail et les personnes avec lesquelles je travaille et pour lesquelles je travaille également. Et donc c'est vraiment une ouverture du cœur extrêmement importante mais qui passe par une communication qui vibre à un niveau beaucoup plus élevé. Cet apogée du cycle aura lieu le 30 janvier donc vous pourriez vous sentir particulièrement conscient de votre évolution, de votre changement d'état d'esprit au niveau relationnel, au niveau du sens de cette fraternité globale dans laquelle nous sommes engagés et a priori pour la protection de la planète, pour beaucoup de choses que l'on a à faire vraiment sur cette planète. Et donc ce Mercure qui arrive à son sommet finalement est une belle conclusion pour ce mois de janvier parce que c'est un état de compréhension beaucoup plus large. Donc voilà pour ces énergies du mois de janvier. Je vous souhaite de vivre vraiment de très très belles éclipses, de pouvoir en tirer un maximum parti et de vraiment les prendre comme de grands grands outils de compréhension hein, et de les accueillir avec gratitude. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve fin janvier pour les énergies du mois de février. Je vous fais des très très gros bisous. À bientôt.